Camarade, bonjour. Aujourd'hui, je voulais tenter un truc un poil différent. Toujours dans notre optique de se concentrer sur le haut Moyen-Âge, hein, et de ce que j'appelle le choc culturel. Oui, on va pas changer de thème. Je voulais faire un pont qui m'avait l'air tout naturel entre les mondes francs, scandinaves et normands qu'on a vus jusqu'à présent, et qui pourtant, on n'avait pas encore traité, et il y en a des choses à dire. C'est la fondation du duché de Normandie par Roland. Bien que techniquement, Roland ne soit pas le premier duc de Normandie. Mais ça, on le verra dans la partie 2. Ouais, je vous tease déjà la deuxième vidéo. Pour l'heure, on va se concentrer sur ce qui était avant la création du duché. Parce que Roland, ben, il a pas popé comme ça et créé un duché à partir de rien. Enfin, si, mais non. Il a dû se faire un nom, il a dû faire quelque chose avant, pour qu'on le nomme à une telle responsabilité. Et faut dire que, dans les sources, c'est assez flou. D'ailleurs, dans le reste de la vulgarisation et des bouquins, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a bien Vikings, hein, qui a tenté de créer une sorte d'origin story à Roland. Mais bon, à votre grande surprise et à la mienne, j'imagine, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, pour bien commencer, Roland est-il norvégien ou danois? On sait pas trop. Il y a débat. Mais pour trancher très vite la question, c'est un faux débat. Faut dire qu'au 9e, 10e siècle, norvégien, danois, islandais, suédois ou que sais-je encore, bref, tous les scandinaves, c'est plus ou moins la même mayonnaise. Oui, c'est très vite résumé, mais en gros, on est sur un pouvoir qui est décentralisé, une culture, une langue, une religion qui est quasiment la même, et un monde qui vit dans une sorte de melting pot où tous ces peuples se mélangent. Et ainsi, savoir qui et quoi au 9e, 10e, c'est assez compliqué, et on va plutôt parler de Scandinaves. Ou même généralement simplement de Vikings, pour les gens qui connaissent pas trop la question. Si on sait pas trop ses origines, on a quand même quelques infos sur Roland. Et ça, grâce à quelques chroniqueurs. Ils sont pas des masses, ils disent pas grand chose d'intéressant, mais ils ont mérite d'exister. La principale source pour aujourd'hui sera celle écrite par Dudon de Saint-Quentin, un picard du 11e siècle, et qui est donc bien postérieur à Roland. Mais si c'est notre source principale, c'est parce que c'est lui, le premier, à écrire sur le sujet, et toutes les sources qui viendront après, on le verra, sont non seulement postérieures à Roland, mais reprennent pour base les travaux de Dudon. Je pense que vous comprendrez pourquoi donc, on va pas beaucoup parler de différentes sources aujourd'hui, mais principalement se concentrer sur le Picard. Dudon, pour vous fassiez un petit peu connaissance, y a pas de raison, c'est donc un chroniqueur Picard, originaire du Vermandois. Il est envoyé à la cour de Richard, duc de Normandie, par Albert Ier de Vermandois, pour essayer de rallier le duc des Normands à sa cause, qui est une querelle contre Hugues Capet, pour simplifier. Bref, quand il va là-bas, le Riri, il le trouve bien sympa, le Dudon. Il aime bien sa manière de parler et sa manière d'écrire, et du coup, il lui commande une œuvre pour retracer l'histoire de sa famille, de ses origines, et de légitimer ainsi un peu plus le pouvoir des Normands sur le duché. Histoire de passer ses longues soirées d'hiver à bouquiner, j'imagine. Bien que ça a dû surprendre un peu le Picard. Pour lire. Tu sais lire, toi. Ainsi, entre 990 et 1026, Dudon va rédiger l'œuvre de sa vie. De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Des mœurs et des actions des premiers ducs de Normandie. Mais qu'on va simplifier assez généralement en français comme en latin d'ailleurs à l'époque, en Historia Normannorum, l'histoire des Normands. Qui est grosso modo une bonne pavasse qui fait 4 biographies des premiers ducs de Normandie. Des origines à celui qui connaît lui, Richard. Alors, la première biographie n'a rien à voir avec les ducs de Normandie. Elle est sur un dénommé Hastings, et on sait même pas s'il a un rapport avec Roland. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il a existé. Il est qualifié, comme de nombreux autres vikings, comme Ragnar par exemple, en un viking semi-légendaire. C'est un mec qui aurait pas mal bourlingué, qui aurait fait des raids en Angleterre, en Méditerranée, en Francie, en Frise, un peu partout, et qui est surtout là pour montrer un peu l'origin story des vikings, de Roland, et voir un peu comment ce viking, justement, s'est transformé en un prince chrétien. Comprendre un peu le...
la rédemption du Normand. Oui, le chroniqueur médiéval est assez poétique. La deuxième biographie, sans surprise, c'est Roland. Ça va être notre source principale aujourd'hui, on va en parler bien assez, croyez-moi. La deuxième, quant à elle, parle sur Guillaume de Longue-Épée, premier fils de Roland. C'est aussi le deuxième duc de Normandie, bien qu'on le verra, il n'est peut-être pas duc lui aussi, et surtout connu chez les Normands comme étant le martyr de la lignée, puisqu'il va mourir dans une ignoble trahison, si on en croit Dudon. Et enfin, le dernier, c'est Richard. Richard qui a commandité l'œuvre et qui, pour Dudon, va donc être le symbole même du prince chrétien. Il est saucé comme Jaja, et Richard, eh ben, ça lui plaît bien d'être mis en avant et d'être considéré le meilleur parmi tous ses pairs. Du coup, on comprend pourquoi l'œuvre, elle nous est parvenue jusqu'aujourd'hui. Quoi ? Quoi ? Bah, et moi ? Bah, le fumier ! Le papier, vous le jetez pas, hein, c'est moi qui le récupère. Si l'œuvre de Dudon est si majeure, je vous l'ai dit, c'est parce que c'est lui le premier à écrire sur les ducs. La plupart du temps, les autres sources qui viendront après sont aussi du 11e, 12e, et ben reprennent les travaux de Dudon et se basent sur ces derniers. Mais bon, il y a quand même un hic, je dois vous le dire, c'est que les travaux de Dudon ont pendant longtemps pas été considérés comme sérieux. Et du coup, c'est à prendre avec des pincettes les faits qu'il nous raconte. Simplement parce que la plupart des faits qu'il va annoncer ne sont pas corroborés par des sources contemporaines ou postérieures, par des trouvailles archéologiques, ou même par une chronologie assez précise. Pour ça, et parce que Dudon, souhaitant se rattacher aux grands auteurs antiques, décide de ressortir un peu ses vieux manuels de géographie. Le souci, c'est que Dudon ne sort pas bien de chez lui, et nous cite l'origine de Roland et donc des Scandinaves en Dacie, soit en Roumanie antique. Ouais, c'est pas le meilleur sur ce coup. C'est que récemment, avec des historiens comme Pierre Bauduin, Pierre Bouet ou François Neveu, que l'œuvre de Dudon est petit à petit réhabilitée. Bon, à prendre avec des pincettes quand même, parce qu'il y a des approximations, très peu de dates, on va le voir aujourd'hui, 2-3 problèmes de cohérence géographique, ça aussi on va le voir, mais surtout, faut pas oublier le contexte de rédaction de son histoire, qui est quand même un bouquin de propagande en l'honneur des premiers ducs de Normandie. Mais bon, si on arrive à prendre des pincettes et à étudier ça à peu près sérieusement, il y a quand même des choses intéressantes à en tirer. Après, c'est aussi ça la discipline historique et l'étude de source. C'est des choses à prendre avec des pincettes et y arriver à peu près à démêler le vrai du faux. C'est pour ça que c'est long, il faut corroborer, ce que j'essaye de faire un maximum. Pour ça, entre autres, que je fais qu'une vidéo par mois. Mais bref, ne nous éloignons pas. Pour l'heure, si c'est notre source principale, c'est parce que c'est lui le premier à écrire, et que les sources qui viennent postérieurement ne rajoutent pas grand-chose, à part ce que eux vont connaître, parce que Dudon, spoiler, bah, finit par mourir, il n'est pas éternel. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la création du duché par Roland, eh ben, à part ce que va dire Dudon, il n'y a pas grand monde. Mais bon, comme il faut quand même corroborer et essayer de croiser les informations, il y a un autre chroniqueur qui est assez intéressant et pertinent pour l'étude d'aujourd'hui, c'est Guillaume de Jumièges. Propagandiste officiel de Guillaume le Conquérant dans sa conquête, justement, il va écrire la Gesta Normannum Ducum, autrement dit l'histoire des ducs de Normandie, et après Dudon, comme je vous le disais, c'est le plus pertinent et le plus sourcé qui corrige de temps en temps Dudon. Mais bon, avec les deux, on aura fait à peu près le tour, parce que les autres ne vont pas véritablement s'intéresser à Roland. À titre de comparaison, hors de règle vitale, le mec qui a toujours un truc à dire dès qu'on place le mot normand dans une discussion, eh ben, ne parle même pas de Roland dans son histoire des Normands. Pour lui, il commence à partir du 11e, 12e siècle. Faut dire que tout ce qui se passe avant, avec des gars morts, des vieux, ça l'intéresse pas, contrairement à Guillaume et à Dudon. Non mais vous savez, attendez, il y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Les vieux, c'est mystérieux. Mais vous foutez de moi ? Alors, en s'appuyant sur ces deux principales sources, et quelques-unes qui sont franques, mais anonymes, les origines de Roland se disputent principalement entre du norvégien et du danois. Faut dire qu'à l'époque, chacun y va un peu de sa petite origin story, justement, pour rattacher Roland à son pays et en faire un héros national. À titre d'exemple, Guillaume de Jumièges va le faire danois, simplement parce que dans son contexte d'écriture, Guillaume est en relation avec le roi des Danois et la plupart des Normands
de Normandie ont une origine danoise. Autrement dit, les Danois, il faut plutôt les brosser dans le sens du poil. Quant à Dudon, oui, il le place certes en Dacie, en Roumanie actuelle si vous voulez, mais dans les faits, quand on étudie sa géographie et qu'on met des historiens un poil plus compétents sur la question, on estime que Dudon verrait une origine de Roland plus en Norvège. C'est l'hypothèse d'ailleurs qui est reprise par Pierre Bouet. Il avance que dans les sources du 11e, 12e, 13e siècle, comme par exemple chez Saxo Grammaticus qui est là pour encenser l'histoire des Danois, eh ben aucune mention de Roland est faite. Alors que si on a un personnage comme ça qui est originaire de son pays, t'inquiète pas que les chroniqueurs médiévaux, ils l'auraient saucé, le Roland. Mais bon, ça, c'est de la querelle de propagandistes et de chroniqueurs. C'est principalement mon travail hors cam, justement. Mais du coup, mon but, c'est quand même de vous vulgariser et de vous faire une idée claire un peu de la vie de Roland, ou du moins de ce qu'on en sait. Et pour ça, c'est Dudon qui nous donne le plus d'infos. Roland serait le fils d'un roi puissant et invaincu. De Dacie, toujours. Mais on va dire de Scandinavie pour nous. Bref, il aurait un frère, un certain Golim, et Roland, avec son frère, seraient tous deux super doués au combat, d'une grande beauté et d'une grande intelligence. Oui, surprise, dans la propagande officielle normande, Roland est décrit comme un héros. Bref, un jour, le père meurt. Oui, c'est triste. Et Roland, avec son frère, voit alors leur héritage et leur royaume disputés par un autre roi, vilain pas beau, on n'a toujours pas de nom, hein, et qui va arriver, grâce à la fourberie et à la ruse, à vaincre les frangins. Mais oui, parce que Roland, s'il reste roi, eh ben, il va pas en Normandie. Hein. Faut bien qu'il soit à un moment obligé de quitter la maison, comme dans tout bon récit initiatique. Bref, dans la foulée, Roland perd aussi son frère, c'est pratique, et arrive avec 6 navires à quitter son royaume, maintenant aux mains du grand méchant monsieur. Bref, avec ses 6 navires, son père, son frère, et possiblement sa mère morte, on n'a aucune info, faut dire que le chroniqueur médiéval et le rôle des femmes, c'est pas vraiment son truc. Bref, Roland part alors direction l'inconnu, et Dudon nous dit qu'il part en direction de l'île de Skansa. Ce qui, dans la géographie de Ptolémée, ou l'histoire d'Ego de Jordanès, deux auteurs sur lesquels Dudon base ses travaux, correspond à la Scandinavie actuelle. Donc oui, Roland part de Roumanie, direction l'île de Scandinavie. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut ? Non, 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 il y a de ça. Avec tout ça, c'est bien, on a un pédigré, mais il y a quand même un truc qui m'emmerde dans l'histoire de Roland. Non, c'est pas le passage avec la fameuse île de Scandinavie, hein, on a des champions de géographie même chez nous, mais c'est surtout le manque de date. Puisque oui, en gros, je vous annonce, d'après Dudon, et si on corrige un peu ses travaux sur la Dacie, Roland partirait de la Norvège direction la Scandinavie, on va savoir où, mais arrive en 876 à l'embouchure de la Seine. Et c'est la seule date qu'on a. Le reste des dates que je vais vous donner, ou que vous pouvez lire ailleurs, ne sont que des estimations, justement, à propos de la seule date donnée par Dudon de 876, et le fait que Roland serait assez jeune quand il a fui son pays. D'ailleurs, pour pas trop me mouiller, et me reposer sur des travaux un poil plus sérieux que ceux que je peux fournir, je vais reprendre la chronologie donnée par Pierre Bouet, parce que c'est celle que je trouve la plus pertinente, et celle qui, à mon sens, correspond le mieux avec celle donnée par Dudon, justement. Du coup, 876, c'est la date clé dans nos estimations. C'est avec elle qu'on va pouvoir faire à peu près toute la chronologie de Roland, et si jamais un jour cette date saute, eh ben on sera pas dans la sauce. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose de sérieux. Du coup, si on reprend les travaux de Pierre Bouet et les travaux de Dudon, si en 876, Roland arrive à l'embouchure de la Seine, on peut estimer la mort de Roland aux environs des années 928-932. Enfin la mort. La disparition, plus ou moins. Parce que c'est à cette date que Roland va disparaître des sources, qu'elles soient scandinaves ou franques, et que c'est son fils, Guillaume Longue-Épée, qui va commencer à régner sur le futur duché des Normands. Ça, et parce qu'à cette époque, les dernières mentions de Roland, faites, le qualifient d'assez vieux, voire même d'impotent, le décrivant incapable, par exemple, de monter à cheval. Alors, je sais bien qu'au Moyen-Âge, on souffre de ce cliché d'on meurt à 35 ans et de what-mit maladie, mais ça, c'est tiré par les cheveux, faut pas abuser. Dans les faits, on peut arriver à des âges assez avancés, on a plusieurs exemples.
Et d'ailleurs, Pierre Bouet, lui, avance l'hypothèse que Roland disparaît justement entre 928 et 932, vers 70-80 ans, ce qui est loin d'être impossible, et qui en plus corrobore les descriptions faites par Dudon d'un Roland quasiment impotent et incapable de monter à cheval. Parce que quand t'as passé 60 ans de ta vie à massacrer des gens à tour de bras, ouais, tu dois avoir des séquelles et je pense que t'as un peu d'arthrose pour monter sur le bourrin. Du coup, si on prend cette estimation, qui est loin d'être la plus improbable, ça voudrait dire que Roland, en 876, il aurait une vingtaine d'années quand il arrive à l'embouchure de la Seine. Et ce qui correspond bien au jeune âge avancé par Dudon, d'un Roland jeune adolescent qui fuit la Scandinavie, et surtout des quelques mois ou années qu'il va passer avant d'arriver en embouchure de Seine. Ce qui voudrait dire, si Roland a une vingtaine d'années, en 876, je suis pas un champion en maths, mais il serait né vers les années 850-860. Ah, et dernière chose, Roland, c'est pas son nom. Roland, c'est une francisation du terme latin Rollo. Et Rollo, lui-même, c'est une retranscription des noms que les Scandinaves donnaient justement à leur chef. Rollo, à l'époque, pour les Scandinaves, il s'appelait Rolf. Donc ouais, on est loin du Roland. Mais de toute façon, chez les chrétiens, Roland, Rollo, ça ne va pas exister bien longtemps, puisqu'une fois christianisé, Rollo va se faire appeler Robert. Et avec ce joyeux bordel des prénoms, vous avez à peu près toute l'origine story de Roland, et vous en savez autant que moi. Ouais, on comprend pourquoi la série est partie en couille très vite, sur Roland. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Alors bon, maintenant qu'on le connaît un peu plus, notre ami Robert, Roland, Rolf, comme vous voulez, il est temps de commencer un peu son épopée. Et là encore, un peu comme l'estimation de la chronologie de sa vie, eh ben, on va être soumis aux estimations de ce qu'il a fait. Puisque Dudon va nous donner une série d'événements sans jamais les dater. Il va simplement donner des localisations et des noms. Et on va le voir, c'est pas pour autant que ça va être simple à tout identifier. Première étape pour Roland, c'est l'Angleterre. Ainsi, après son départ de Dacy qui correspond en fait à la Scandinavie, et plus probablement à la Norvège, Roland part pour l'île de Skansa, qui correspond donc à la Scandinavie, mais qui chez Dudon, on peut estimer un peu plus aux Orcades. Puisque les Orcades, au 9e siècle, à l'époque de Roland, c'est plein de Norvégiens, de Scandinaves de tout poil, et c'est une destination assez courante pour les Scandinaves justement qui fuient leur pays, et qui veulent faire des bases de lancement pour des futurs raids à venir. Bref, une fois là-bas, Dudon nous raconte que Roland va entrer en contact alors assez rapidement avec le roi d'Angleterre, un certain Alstenius. Et c'est la première coquille. Puisque courant 9e siècle, on parle pas de royaume d'Angleterre. Vous êtes peut-être pas familier de l'heptarchie britannique, on vous en veut pas, mais à cette époque, le royaume, eh ben, il n'existe pas, il est divisé. Et le roi d'Angleterre, le premier, c'est Athelstan, mais ça a lieu qu'au 10e siècle. Ce qui veut dire que, si on prend notre date clé de 876, eh ben, Roland non seulement ne peut pas entrer en contact avec le royaume d'Angleterre pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas, mais surtout, il ne peut pas entrer en contact avec Athelstan parce que ce dernier n'est pas encore né. Oui. Donc soit Dudon nous raconte des chars, soit Roland a le pouvoir de voyager dans le temps. Et je pense que vous avez déjà compris la bonne solution. La magie, ça n'existe pas. Du coup, avec ce genre de coquille, je pense que vous comprenez pourquoi, pendant longtemps, l'œuvre de Dudon n'a pas été prise sérieusement par les historiens. Mais si on essaie de creuser un peu, il y a peut-être moyen de comprendre pourquoi Dudon a fait cette erreur. Puisque je vais vous épargner la liste des 7 monarques de l'heptarchie, mais il n'y en a aucun qui correspond au nom d'Alstemus à cette époque. Par contre, il faut savoir que, courant 9e siècle, il y a un royaume parmi les 7 qui émergent, et qui va fonder justement le futur royaume d'Angleterre. C'est le royaume de Wessex, et qui à cette époque est dirigé par Alfred le Grand, roi du Wessex, qui petit à petit va se faire connaître comme roi des Anglo-Saxons. Elle est peut-être là, l'erreur de Dudon. Mais bon, bien qu'Alfred soit considéré comme l'un des premiers rois d'Angleterre, il y a quand même un truc qui colle pas avec cette histoire. Déjà, en philologie, Alstemus, ça va donner Athelstan, pas Alfred. Il y a un petit problème. Et surtout, Alfred à cette époque, bien que roi des Anglo-Saxons, qu'il a réussi à unifier à peu près les reliquats de ces derniers, en réalité contrôle qu'une toute petite partie de l'île,
la majorité est encore sous l'autorité du Danelaw, les Scandinaves qui se sont installés sur les îles britanniques, justement. Et à cette époque, au 9e siècle, le chef du Danelaw, c'est bien un Athelstan, justement. Enfin, un Athelstan. Il s'appelle Guthrum. Est-ce que tu ne te foudrais pas de ma gueule, par hasard ? Et de la mienne, par la même occasion ! Moi ? Je vais vous expliquer, c'est-à-dire que... Non, est-ce que si je peux me permettre... Oui, je sais, c'est le bordel. Mais une petite minute. Ce Guthrum, qui est chef du Danelaw, a bien vécu à cette bonne époque et aurait lancé entre 871 et 878 une série de raids sur Alfred. Mais sauf que pour Guthrum, ça va mal se passer. Il va perdre le conflit contre Alfred, va être obligé de faire la paix et de se christianiser afin de prouver ses bonnes volontés. Et son nom de baptême à Guthrum, eh ben c'est Athelstan, justement. On a donc un roi scandinave, un certain Athelstan, qui va contrôler la majorité de l'île britannique. Elle est peut-être là, l'erreur de Dudon, et ce serait logique qu'une fois fui de Norvège, Roland aille contacter le chef du Danelaw pour récupérer justement des hommes, des navires, de l'argent, afin de lancer ses futures raids. L'hypothèse est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Après, encore une fois, vous choisissez lequel des deux rois vous préférez pour le contact avec Roland. Une fois que Roland est rentré en contact avec ce Alstemus, donc entre 871 et 876, si on veut qu'il arrive à l'heure à l'embouchure de la Seine, il part alors avec sa nouvelle flotte et ses hommes faire des raids à l'embouchure du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut. Il instaure là-bas de lourdes tribus, et le duc de Hainaut tente alors de lever une armée pour repousser les Vikings. Mais c'est un échec même total. Ce dernier est capturé, et c'est la femme du duc qui se voit contraint de payer un lourd tribut pour libérer ce dernier, et une fois libre, le duc, lui, va être contraint de signer une alliance avec Roland pour ses futures conquêtes. Bien qu'une fois signé, étonnamment chez Dudon, le duc va disparaître. On peut donc douter de la signature de ce traité. Bref, une fois la Frise et la Lotharingie ravagées, il est maintenant l'heure pour Roland d'aller voir du côté de la Neustrie. Et en 876, Roland arrive alors en Baie-de-Seine, comme prévu. Et là, contre toute attente, il va recevoir le SMS d'un des locaux. D'après Dudon, les habitants de Rouen, qui auraient été donc la première cible de Roland, demandent à l'archevêque d'envoyer un message au chef des Scandinaves pour demander d'épargner la ville, et en échange de quoi, les Neustriens vont se soumettre à l'autorité de l'homme du Nord. Arrivant devant Rouen, Roland comprend alors que la cité n'est pas un danger pour lui et que y a rien à piller. Ça sert à rien de traire une chèvre quand elle a plus de lait, et du coup, plutôt que de les massacrer, Roland va décider de s'installer pour en faire des bases de lancement sur la Seine, ainsi pouvoir ravager les villes à l'intérieur de la campagne, et surtout, bloquer l'embouchure de la Seine. Comme ça, les navires de commerce seront obligés de passer par chez lui, et il pourra se servir. Et accessoirement, interdire le terrain de jeu à ses copains scandinaves. Roland décide alors de poser ses bagages, fait copain-copain avec les habitants, mais il oublie une petite chose. La ville est sous autorité neustrienne, et donc sous autorité franque. Et les francs, c'est pas le genre non plus à laisser des romanos s'installer chez eux comme ça sans rien dire. Et Roland, lui, se dit que la ville est tellement loin du pouvoir central, qu'elle s'est tellement fait ravager la gueule que ça va se passer des années avant que les Francs se rendent compte que la ville n'est plus sous leur autorité. Mais Hadès, il va nous tuer quand il va apprendre ce qui s'est passé! Tu veux dire, s'il l'apprend un jour? Mais bien sûr qu'il va l'apprendre! Si... Et si c'est bon, ça? Roland, qui s'est alors installé, fait remonter la Seine à ses navires et les installe entre les communes actuelles de Pont-l'Arche et de Pitre, si vous êtes normand. Les Francs envoient alors une armée pour repousser les envahisseurs. C'était à prévoir. Mais sauf que les Scandinaves arrivent à les piéger et à les défaire assez rapidement près de Pitre, avant de partir pour Paris et essayer d'y mettre un siège. C'est dans ce contexte que Roland, une fois la première victoire en poche, décide alors de descendre la Seine pour aller mettre un siège à Paris, sans qu'il sache véritablement à quoi s'attendre, et surtout que, mine de rien, oui, il y a un trou dans la chronologie, on est en 886 et il y a déjà un grand siège qui est mis devant la cité. Roland va faire partie des belligérants, justement, de ce siège. Enfin ça, c'est si on en croit Dudon, puisque dans les faits, à part lui, personne n'atteste la présence de Roland dans ce siège. D'ailleurs, Dudon lui-même nous dit que Roland en fait partie,
mais la majorité de ses faits d'armes et ses actions vont avoir lieu en dehors de Paris, pour des problèmes de ravitaillement. En effet, d'après Dudon, Rollon ne fait qu'un aller-retour à Paris. Le manque de ravitaillement est crucial, et Rollon, devant un siège qui dure et devant le nombre de Scandinaves toujours plus présents, se dit qu'il n'aura pas sa part du gâteau. Et du coup, il repart pour la future Normandie, direction la région du Bessin, afin de récupérer des vivres, sécuriser les voies de ravitaillement, et tout ça en toute impunité puisque les Francs sont aux prises dans le siège de Paris. Sauf que la région est certes pas tenue par le roi à cette époque qui a autre chose à faire, mais quand même solidement tenue par Béranger II, comte de Bayeux et responsable des marches de Neustrie. En gros, c'est le comte qui est censé faire le garde-frontière et stopper les vikings. C'est pas un rigolo, c'est même plutôt un gros poisson. Mais Rollon, ça ne l'arrête pas. Après un premier échec, sans qu'on sache trop pourquoi, Rollon lance un deuxième assaut et cette fois, il fonctionne. Sans qu'on sache exactement comment il s'est déroulé une nouvelle fois. C'est super, je suis d'accord. Et sauf qu'avec cette prise de Bayeux, Rollon va s'installer un peu plus durablement dans la région, puisque Béranger a la bonne idée d'avoir une fille, et que Rollon va en faire sa concubine. Et 9 mois plus tard, comme par magie, le petit Guillaume est né. Les faire-part sont faits à tout le monde, et Rollon est le plus heureux des papas. Ah, l'amour. Une fois Bayeux capturé, ou rasé, on sait pas trop, Rollon va alors entamer l'histoire de la longue rivalité normando-bretonne avec des raids en territoire breton, justement. Dans le Cotentin et dans l'Avranchin, ce qui va aboutir à la prise de Saint-Lô en 890. Oui, j'ai bien dit breton, mais non, je suis pas une bite en géographie, je m'appelle pas Dudon. Simplement, c'est l'histoire du truc. Charles le Chauve, avec le traité de Compiègne, va donner en 867 aux Bretons le Cotentin et l'Avranchin, ce qui inclut aussi au passage le Mont-Saint-Michel. Je suis pas là pour tilter qui que ce soit, simplement pour énoncer des faits historiques. Le débat est tranché. On peut passer à autre chose. Une fois ces premiers faits d'armes réalisés, les Bretons qui sont pris une claque dans le pouté, la Neustrie qui a été mise à feu et à sang, Bayeux plus ou moins pacifié, il est maintenant temps pour Rollon d'entamer une rivalité qui va justement créer le duché de Normandie. Cette rivalité, elle est due à l'accord de paix dans un premier temps entre Charles III et Rollon. Charles III, que les sources franques vont appeler Charles le Simple. On va le voir, elles ne sont pas tendres avec le Carolingien. Cet accord de paix, trouvé par Charles, Rollon et avec l'intermédiaire de l'archevêque de Rouen, qui est le grand copain de Rollon d'après Dudon, n'est pas du goût de tout le monde parmi les grands du royaume. Certains, notamment des ducs, décident de prendre les choses en main et de foutre les Normands dehors comme ils ont coutume de le faire jusqu'à présent. Ces grands du royaume, qui sont pas d'accord avec la politique de Charles et ce traité de paix, décident alors de lever des armées et d'aller marcher contre Rollon. Ils sont dirigés par 2 hommes, le premier, le comte de Poitiers, Elbe. Le second, c'est un personnage haut en couleur du 9e siècle, un mec, on va le voir, qui a tout vu, tout fait, et qui a un goût prononcé pour la justice, puisqu'il se fait appeler lui-même Richard le Justicier. Je suis Batman. Alors, pour vous compreniez à qui on a affaire, c'est peut-être pas un Bruce Wayne parce qu'il n'est pas aussi riche, mais c'est quand même un gros bonnet du royaume, un des hommes les plus puissants, le Richard. Déjà, de par sa sœur, il est rattaché au pouvoir royal. Sa sœur, Richilde, oui, un nom difficile à porter, bienvenue au Moyen-Âge, est la seconde épouse de Charles II, le grand-père de Charles III. Et rajoute à ça que Richard, il a toute une collection de titres. Il est comte d'Autun, Auxerre, Nevers, Troyes, Sens, et en plus de ça, il est marquis de Bourgogne. Oui, je sais, j'ai dit duc tout à l'heure, pas marquis. C'est pas pour vous perdre, c'est juste qu'au Xe siècle, on est dans cette période de transition où les marches vont devenir des duchés, pour la plupart, sous le pouvoir carolingien. D'ailleurs, spoiler pour la prochaine vidéo, c'est comme ça que le duché de Normandie va être créé, quand les comtes de Rouen vont devenir petit à petit marquis de Neustrie. Bref. Richard, officiellement, il est marquis de Bourgogne pour le pouvoir royal, donc grosso modo, un comte qui a un pouvoir militaire un peu plus développé que, par exemple, le comte de Poitiers. Mais dans les sources bourguignonnes, Richard,
c'est un duc, un doux, un grand chef, un mec un peu plus indépendant, et ça, c'est peut-être issu de l'héritage bourguignon qui faisait que le royaume de Bourgogne existait il y a moins d'un siècle auparavant. Bref, marquis ou duc, dans tous les cas, Richard, c'est un gros bonnet, et il est là pour en découdre. Notre Batman médiéval, la baston, c'est véritablement son truc. À cette époque, il a une cinquantaine d'années, et il a à peu près tout vu, tout fait. Il a été de tous les conflits majeurs des 9e, 10e siècles, il est souvent qualifié de protecteur du pouvoir carolingien, et à son tableau de chasse, il a plusieurs têtes couronnées. Il a notamment son frère, Boson, qui s'était proclamé roi de Provence, mais il a aussi le comte de Paris, Eudes, qui à son tour va vouloir se proclamer roi des Francs, et entre 888 et 898, il a par trois fois repoussé à lui tout seul des invasions de Scandinaves qui ont remonté jusqu'à la Bourgogne, justement. Donc là, une invasion supplémentaire, c'est un peu la routine pour le Richard, et entre Roland et lui, si vous êtes du genre à faire des paris, il faudrait parier sur le Bourguignon. Vous l'aurez compris, Riri, c'est le gars sûr pour Charles III. Et Charles, quand il voit le duc de Bourgogne lever ses troupes à ses propres frais pour aller poutrer le Normand, eh ben il est super joyeux. Déjà, il se dit qu'il va être débarrassé d'un problème scandinave en plus, donc ça, il est content. Et surtout, eh ben, il a pas peur de Richard, puisqu'il sait que même s'il va être auréolé de prestige militaire, il n'y a pas plus fidèle que le duc de Bourgogne envers le pouvoir central. À part peut-être un Golden Retriever. Mais je suis pas sûr que ce dernier pourrait repousser des Scandinaves. Quoi faudrait tester un jour la bataille. Bref, Richard marche alors d'un pas décidé sur la Seine afin de repousser une nouvelle fois les hommes du Nord à la mer. Et les sources franques, qui sont pour la plupart anonymes, nous décrivent alors plusieurs accrochages entre le Bourguignon et des troupes scandinaves qui étaient par-ci par-là sans qu'on sache véritablement s'ils dépendent de Roland ou non. Dans tous les cas, le bilan est le même. Richard est invaincu, il approche petit à petit des troupes de Roland, qui, dans ce temps-là, étaient partis mener le siège à Chartres. Le conflit entre les deux armées est maintenant inévitable, je pense que vous l'aurez compris. Cette fameuse bataille de Chartres qui va venir, va aboutir à la conversion de Roland au christianisme, et surtout à la création du duché de Normandie. Duché, ô combien important, impactant, et qui va changer à jamais le destin de tout l'Occident médiéval, et même de certains territoires d'Orient. Mais tout ça, c'est pour la prochaine fois. Le bisou.